Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend, c'était arrêté la dernière fois, se dire à la cinquième mission de Opération Market Garden, et qui s'intitulait Best. Donc Best, le camp de groupe polaire a réussi à retarder le 30e corps, il se redéploie maintenant vers Best, près du canal de Wilhelmina, avec pour ordre de sécuriser le pont de la ville. Le 30e corps britannique a été entravé par le camp de groupe polaire. Autant à l'ennemi tout espoir de percée rapide. Et malgré tout, il continue d'avancer vers l'Allemagne. Les manœuvres ennemies suggèrent qu'ils vont tenter de traverser le canal de Wilhelmina à Best. Le Kampfgruppler doit détruire le pont avant l'arrivée du 30e corps. N'échouez pas. Donc encore une fois, nous devons stopper l'avancée ennemie. Bon. Disons que ça va être un peu la campagne, va être totalement à peu près tournée autour de ça, c'est logique vu l'opération. Hein. Et pour dire que moi j'apprécie voilà, des missions un peu comme ça, je trouve que ça change. Une bonne diversité des missions. Donc, voilà. De toute façon, je reviendrai sur ce que j'en pense des missions à la fin de cette campagne. Mais bon. Je m'excuse aussi pour la dernière vidéo qui était quand même extrêmement longue, hein, quasiment une heure. Je crois qu'elle faisait 57 minutes avec l'intro et la conclusion. Bon, je vais essayer de faire plus court, hein, si jamais je vois que c'est nouveau aussi long, bah, j'ai couperé. Bah, bon. On verra bien si ça recommence. Maman dit que la maison est dévastée. Il n'y a plus de toit. La famille s'est installée dans le domaine de notre oncle à Duisburg. Alors à toi de me le dire, frangin. Au nom de quoi est-ce qu'on se bat? La patrie est en ruine. Nous n'avons plus de maison. Si tu abandonnes maintenant, nous nous battons pour rien. Ne te laisse pas abuser par la propagande américaine. Les Américains! Parachutistes américains, défendez nos positions. Alors tout de suite, vous essayez de récupérer. Prêt pour une mission de combat. Utilisez cette arme contre eux. Section en là. Vous allez récupérer. Amélioration de la section. Vous avez beaucoup de dépôts de munitions, hein, donc récupérez-les. Et mince. Bon, faites attention à ça, essayez quand même de récupérer les mitrailleuses et gardez en vie. C'est extrêmement utile. Ici, vous êtes déjà mitrailleuse, donc vous pouvez largement vous passer d'en avoir une de plus. Mais bon. En difficulté vétéran, même de quel que soit, dès que vous êtes en difficulté supérieure, c'est nécessaire d'avoir des Donc en difficulté supérieure, les mitrailleuses sont vraiment utiles dans cette mission là, vous les positionnez de telle sorte de couvrir un peu tous les axes. Ce qui évitera quand même que l'ennemi vienne trop vous déborder par le nombre. Hein. Ah bon, ça quand même, on n'a pas trop ce problème là. Et on va vous présenter le nouveau char, le ça s'appelle Panzer 4F. Et là, je vais prendre. On va prendre la tactique là, vous comprendrez pourquoi. Disons que les mitrailleuses sont vraiment utiles parce que vous gagnez une puissance non négligeable, surtout pour défendre par exemple les ponts. Donc avoir une ou deux mitrailleuses en plus, c'est quand même très utile. Même si les gens ne veulent pas l'admettre forcément. Mais c'est quand même vraiment indispensable quand vous avez vraiment une base assez étendue et assez développée.
Et justement, comme j'ai déjà expliqué une fois, c'est le gros défaut de cette armée, c'est que vous possédez, entre guillemets, possédez pas vraiment de mitrailleuse fixe. Vous n'avez même pas trop, vous ne possédez même pas de mitrailleuse fixe. Vous les possédez grâce au Hacktrack, bien évidemment. Hein. Alors, vous pouvez renforcer votre troupe à côté, mais vous ne possédez pas une, des troupes qui ne font que ça. Je cherche mes mots. Hein. Oui, vous n'avez pas des troupes qui sont spécialisés uniquement dans un truc. L'avantage, c'est que vous, comme j'ai déjà expliqué une fois, c'est que vous êtes très mobile de cette manière-là. L'inconvénient, c'est que vous êtes vraiment dépendant des ennemis. Parce que quand vous avez des ponts, tout ça, c'est très bien d'avoir des mitrailleuses. Quand je dis avoir des mitrailleuses, c'est dans le sens que, par exemple, vous avez des ponts, vous les positionnez bien, vous n'avez aucun problème avec le pont là. Bon, il y a deux messages, donc en gros, ils expliquaient que Wimberwin a une très grande cadence, très efficace contre l'infanterie. Je voulais couper, je m'en excuse. Donc, comme je voulais dire... Attendez deux secondes, je cherche... Cible détruite. Comme je voulais dire, l'avantage des mitrailleuses fixes, tout ça, c'est qu'ils ont une meilleure suppression que les véhicules de transport de troupes. Hein. Les Hacktrack ont une suppression, je ne peux pas le nier, mais leur suppression est assez faible comparée à des unités un peu plus spécialisées. Donc, quand c'est des positions défensives, vous êtes désavantagé. On peut pas gagner, mais l'avantage c'est que vous, ce que vous perdez en défense, vous gagnez en attaque, parce que ça vous permet d'être aussi plus agressif en contrepartie. Ce qui reste quand même le principal atout du camp de Krupeler, c'est sa mobilité et sa force de mobile. Donc je présume que vous voulez vous demander quel est ce char là. Alors ce char là, c'est un Panzer IV. Précisément F, c'est en fait un Panzer IV équipé d'un canon court, extrêmement efficace. C'est souvent des canons comme ça qui étaient sur les premiers chars allemands, très efficace en fait contre l'infanterie, parce que plus souvent c'est des canons d'obusier. Et le camp trooper repose en fait là-dessus, parce que d'habitude on a l'habitude d'avoir le Panzer IV avec canon. Le camp trooper repose énormément sur des troupes, vous voyez, spécialisées. Le charga est quasiment inutile contre les autres chars, mais est très efficace contre l'infanterie. Inversement, ce charga est inutile contre l'infanterie, mais très efficace contre les chars. Il faut que vous vous habituez à jouer de cette manière-là, c'est-à-dire unité spécialisée avec unité spécialisée, non plus unité polyvalente, comparé aux autres armées. Et vous vous rendrez compte qu'au final, c'est quand même très, très efficace. Hein. Parce que moi, personnellement, je préfère avoir une armée spécialisée. Je le dis honnêtement. Parce que vous les utilisez en fait de manière optimale, vu que vous savez qu'ils sont complètement nuls contre des unités par exemple à deux chars. Vous savez que dès que vous voyez un véhicule, vous allez le replier. Ça demande un peu plus aussi de micro-gestion, étant donné que vous devez toujours avoir une... Les unités spécialisées doivent toujours combattre contre le bon type d'unité. Des petites choses à savoir, mais au final, ça marche plutôt bien. Ça pose pas vraiment de problème, hein, faut qu'on en parle. Vous vous rendrez vite compte que, pour ceux en tout cas qui ont tous les jeux, ben, vous verrez que vous adopterez vite le camp de Krupeler comme une de vos armées préférées. Parce que... Vous êtes tellement de mobilité, vous êtes tellement d'avantages d'être rapide à pouvoir vous déplacer un peu partout qu'au final l'armée là est vraiment trop forte. Comparé à des Allemands un peu plus traditionnels, voilà,
Par exemple, la Wehrmacht ou les Américains. La Wehrmacht repose sur une armée vraiment très bien entraînée, plus nombreuse et très bien entraînée. Mais la plupart de ces armées ont la grosse baisse d'être assez peu mobile. Or que là, justement, votre plus grande force, étant donné que vous pouvez vous déplacer rapidement, par exemple, vous avez une attaque ici, vous pouvez facilement ramener vos troupes ici et contre-attaquer en fait. Et votre armée va beaucoup reposer sur les systèmes de contre-attaque. Hein. Je m'explique, quand je dis système de contre-attaque, c'est que vos troupes, du fait qu'ils sont rapides, du fait qu'ils peuvent se déplacer rapidement, ils vont profiter de... Vous allez profiter de votre rapidité pour rapidement en fait aller neutraliser en fait les positions de défense ennemie. Hein. Par exemple, l'ennemi échoue sur une attaque, vous allez contre-attaquer tout de suite pour détruire l'ennemi. Voilà. C'est vraiment beaucoup de choses comme ça qui fait cette grande force de cette armée. Mais heureusement, dans la campagne, on ne conserve pas beaucoup ça. C'est dommage, mais bon. On ouvre le feu. Bon, ils ont réussi à défendre en tout cas. C'est bien. On a des parachutistes américains qui nous tombent sur la tête, frangin. Ils ont déjà pris le pont ici et sécurisé plusieurs zones de largage. Et comme si ça suffisait pas, le reste de notre Kampfgruppe n'est toujours pas arrivé de Best. On doit tenir Best jusqu'à l'arrivée de Foss et des troupes de Falkensvard. Aldrich, mobilise tes hommes, neutralisez les zones de largage et retardez le 30e corps jusqu'à ce qu'on rejoigne Foss et le Kampfgruppe. Votre attention, Kampfgruppe! Les piquets de sécurité nous signalent 5 zones de largage importantes dans le secteur. Il faut prendre ces positions pour empêcher de nouveaux parachutages. Panzer en déplacement. Bon, vous avez compris maintenant, la grande partie de cette mission, ça va être de récupérer ces points-là. Et étant donné qu'il y a 2 ponts, vous faites sauter le pont, ils seront obligés de passer par le pont ici. Y compris infanterie. Parce que l'IA a bien évidemment aucune idée de savoir qu'on peut réparer un pont. Surtout les ponts en bois. Bizarre qu'il ne veut pas tirer. Voilà. Neutralisé, hop, affaire réglée. Bon, je préviens tout de suite, ça risque d'être beaucoup de multifronts étant donné que je risque d'être à droite, à gauche, au milieu en même temps. Hein. T'as peu donné mal à la tête pour certains, donc je précise tout de suite. Hein. On bat en retraite, allez! L'ennemi nous canard, pilote! Jupiter, traversez cet engin! On subit un feu! On va rejoindre cette position! Ils vont nous avoir! Poursuivez l'attaque! J'ai du mal à croire qu'il va en retraite. Bon, ouais, vous voyez, hein, j'ai pas de blindé en face, ce char-là, vous voyez, il m'énerve. Même les canons anti-char qui, techniquement, devraient me mettre un peu en danger. Il faut rien, pour les tenir. Ouais, c'est comme le Wimberwin, hein, très efficace contre l'infanterie aussi. Hein. Voilà. Vous terrassez aussi l'infanterie ennemie avec, vous voyez. Rappelez-vous, on décroche. Voilà. On attend. Et vu que toutes vos cils de jeu se base là-dessus, vous allez voir comme c'est utile. Par contre, un gros défaut du Kampfgruppe, c'est que toutes leurs compétences mettent beaucoup de temps à être rechargées. Pour justement exploiter cette histoire de camion de munitions qui vous permet en fait de recharger quasiment instantanément toutes vos compétences. Je sais pas si c'est la meilleure des idées qu'ils ont eues, mais je trouve que c'est sympathique. Dans le fait que ça vous oblige un peu à être beaucoup plus stratégique qu'en temps normal. Vous voyez, être plus attentif, à faire plus attention à vos troupes, tout ça. Donc d'un côté, moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour ça.
de Gaute, vous les obligez quand même à toujours avoir ces véhicules comme ça dans leur armée. Parce que sinon, comparé à d'autres personnes qui utilisent par exemple des grenades, tout ça, qui se rechargent beaucoup plus vite, ben, vous êtes un peu désavantagé, pour dire ce qui est. Même complètement désavantagé. Et ça prend quand même de la population. Que je vous rappelle que ce qui fait souvent tout ça, c'est vraiment les, la population que vous avez. Et avoir 3-4 points qui sont, même en multijoueur, ils sont ça le problème, c'est avoir 3-4 points que vous êtes obligé de mettre dans une unité qui n'est pas forcément toujours très efficace. Le char se prépare pour ses ordres de route. C'est parfois problématique, faut dire ce qui est. Bon, malheureusement on fait avec. Hein. Mais bon, je préfère le préciser tout de suite. Pour ceux qui jouent avec cette faction, parce que mine de rien, c'est quand même un très gros désavantage. Alors comme vous avez pu déjà le comprendre. Tireur, attention. Non, non, non. Oh là là, je... Et c'est ce que voulez-vous dire? Je suis un crétin. Vous pouvez le dire. Parce que là, je me viens de m'atomiser quand même moi-même un choix. En vrai. Et là, j'ai fait fort. Je viens de battre un record de vitesse niveau stupidité. Bon. C'est pas pour un fond parce que je me fais avoir, vous pouvez pas les avoir de ce côté en fait, sauf au mortier. Vous pouvez pas les avoir de ce côté normalement avec un véhicule. Donc, ouais, je me fais toujours avoir et je fais plus attention à ça. Bon, c'est pas trop grave parce que ça me coûte pas beaucoup de points, mais bon. Artillerie, sortez du champ de tir. Artillerie, où ça? Ah, ici. Je vous bon, très bien. C'est parti. Bon alors, le Whimberwind, son gros point fort, parce que mine de rien ça reste comme une unité anti-RN de base, c'est que contre les Américains qui jouent avec les avions, ben, vous pouvez les détruire avec. Parce que mine de rien ça reste ça quand même son principal atout, c'est de détruire justement les avions. Honnêtement, les avions, le plus souvent, c'est assez facile de les éviter. Moi, j'ai pas encore eu trop de problèmes avec des avions. Mais bon, je sais que les détruire, c'est parfois quand même très utile parce que vous empêchez l'ennemi de vraiment mettre en place son jeu. Parce que l'ennemi est obligé de contrer vos mouvements, tout ça. Ce qui vous permet vraiment d'être assez agressif. Après, je dis pas que c'est pas possible de jouer sans. Le 30e corps britannique est arrivé. Faites-moi sauter ce pont. J'apprends par radio que nos équipes de démolition seront bientôt là. Attendez les ordres. Se prépare pour une attaque anti-char. Bon. Je vais déployer d'autres mardeurs. Hartmann Berger, nous avons perdu le contact avec Falkenswaard. Nous sommes sans nouvelles de la 9e SS. Cela signifie que le 30e corps avance en force vers Best. Nous ne pouvons pas risquer de les laisser prendre pied. Nous devons à tout prix détruire le pont. L'équipe de démolition du Kampfgruppe Lehr est retardée par une panne mécanique. Mais leur transport les déposera ici quand ils arriveront. Posez les charges explosives sur le pont dès l'arrivée des sapeurs. Ce qu'il nous faut, c'est une action rapide. Détruisez-moi ce foutu pont. L'ennemi va avancer en force pour traverser le pont et maintenir un passage sur le long de l'autoroute 69. Si par malheur un de leurs camions de commandement parvient à dépasser Best, nous perdrons alors l'initiative. Le Kampfgruppe Lehr apportera un soutien défensif à l'équipe de démolition dès son arrivée. Je vais vous expliquer une chose, c'est que vous avez 5 zones de largage à capturer. Une fois que vous en capturez 3, les troupes ennemies arrivent à partir du pont.
Équipage prêt. Char prêt. Et ce qui serait utile en fait, c'est déjà que vous soyez déjà positionné ici devant le pont, parce que ça évite que l'ennemi puisse vraiment vous attaquer en force. Malheureusement, c'est pas le cas là, je me suis fait avoir. Bon, on va faire avec. Plutôt, je suis un peu pressé par le temps. Donc, pour ceux qui sont intéressés, comment on défend plutôt bien, c'est que vous capturez, ouais, vous capturez les points là, puis après les autres vous en fichez un peu. Le transport de l'équipe de démolition est arrivé. Envoyez ces sapeurs sur le pont. Ne laissez pas ces hommes mourir. Les sapeurs ont besoin de soutien. Leur boulot est délicat et on ne les remplace pas facilement. Je les ai jamais perdus, donc je sais pas ce qui se passe quand on les perd. Hein. Je sais pas si la mission est perdue ou pas. Parce que ça m'est jamais encore arrivé de les perdre. On attend. On traverse le champ de bataille. Pour vous dire. Et la pièce d'artillerie est ici, bien évidemment. Hein. C'est pour ça que je monte là-haut, de toute façon. Donc, la technique, c'est pourquoi j'ai pris notamment la technique de la Luftwaffe. C'est que je monte assez rapidement par le bois là pour arriver ici. Et ici, je n'ai pas des canons de 88. Pourquoi les canons de 88 peuvent couvrir ici, étant donné que c'est l'armement le plus puissant que vous avez dans votre arsenal. En tant que... Bon, pour l'instant, vous avez des chars plus efficaces contre les véhicules, mais pour l'instant, c'est 1488 le plus efficace. C'est un pont, donc l'ennemi est obligé de passer par ce pont, vu que vous avez détruit celui-là, je vous rappelle. Donc voilà, c'est vraiment des histoires de stratégie comme ça. Posez des explosifs sur le pont, il faut les empêcher de traverser. Vous pouvez transmettre. On se dirige vers l'objectif. Et normalement, ce que je fais, c'est que je fonce en fait au pont avec mes véhicules mardeurs que j'ai déployés au cas où. Parce que oui, il faut toujours prévoir si jamais ça foire. Hein. Sortez du champ de tir. On est pris sous un feu lourd. Parlez, Schnell. Roule. Je sais pas en fait où arriver de sortir. Et on attend. Section, on fait le combat. Ordre de marche. Vous pouvez parler, chef. Grenadier d'assaut. On y va. Donc, voilà. Vous voyez, vous avancez avec un véhicule, là, vous nettoyez assez rapidement. Et mince, je perds des troupes bêtement, là. J'en perds bêtement. Encore des packs de souris. Je voulais vous informer aussi qu'il y a une mise à jour. Bon, je sais pas ce qu'elle a fait. Apparemment, c'était pour enlever les bugs du multi. Mais par contre, les bugs du son, ils n'ont pas enlevé. Hein. Donc, je suis toujours désolé que ça lag. Mais bon, on est obligé de faire avec maintenant. On n'a plus le choix. Bon, on constate quand même que il y a quand même quelques mises à jour. Mais bon, il faut arrêter de déconner. Il faut quand même mettre des mises à jour correctes. Je déplace la section. Mais bon, tant pis. On est prêt à passer à la coordonnée reçue. On y va. On a pas le choix. Le QG veut qu'on détruise ce pont. Nous devons le piéger avant que les Rosbifs traversent. Oui, ça je sais. Le ruisseau doit mener à un autre accès à la clairière. Alors, je vous explique pourquoi je ne suis pas passé en bas. Parce qu'en bas, vous avez des mitrailleuses qui vous bloquent. Et des canons anti-char. Vous pouvez parler, chef. Et vous constatez aussi qu'un planeur peut être détruit avant de déployer ses troupes. Unité d'infanterie, occupez-vous de la nouvelle cible. Infanterie ennemie, on va engager. On attend les ordres. Procédez aux améliorations. Section barrée. Donc en passant par là, ça me permet en fait d'éviter de me taper une défense plutôt solide en bas. Mettez-vous en ligne. En avant. Bon, après j'ai toujours fait comme ça, je revérifie plus trop, je fais toujours comme ça maintenant, donc c'est devenu un automatisme. Peut-être que maintenant c'est plus trop le cas maintenant, mais j'y vais maintenant. Parce que je me suis pas entraîné en fait à faire les objectifs annexes à capture zone de largage. Hein. Je me suis entraîné uniquement à la mission principale. Hein. Et bien évidemment,
Je m'en fiche complètement du bruit. Amélioration des chars en cours. Mais c'est pas vraiment le truc qui me gênait. Plus vous êtes une difficulté supérieure, plus c'est important de faire tous les objectifs annexes. Les chars d'anglais ne doivent pas traverser la rivière. Envoyez ces sapeurs piéger le pont. On attend. Voilà. Je vous écoute. Et ici on peut déployer un canon 88 quand on aura les points. Quel talent. Bien joué, Kampf Gruppler. Toutes les zones de largage des Américains sont sous contrôle. Voilà. Ici le 88. Attention, feu lourd. Prêt. J'ai une cible dans la ligne de mire. Vous pouvez parler, chef. Grenadier d'assaut. En avant. Bon, le bon point, c'est que vous voyez, j'arrive pas trop tard. Donnez-nous les ordres tactiques. Ah oui, et vu que j'ai sécurisé de mémoire, quand vous sécurisez tous les points de largage, ben les troupes s'enfuient petit à petit. L'ennemi attaque. Grenadier, prêt. Quelle est notre mission? Non, on va vite en recréer une ici. Objectif sécurisé. On établit un périmètre défensif. Ça coûte cher et j'ai besoin de mettre un canon de 88. Donc voilà. Donc alors le canon de 88, vous voyez la zone bleue, c'est tout ce qui compte. La zone bleue. Maintenant je confonds jaune et le bleu. Bon, la zone jaune c'est la portée de tir de vos troupes. Hein. Vous les voyez quand vous les déployez, non pas quand vous les utilisez. Il faut les empêcher de traverser. C'est le défaut. Char prêt. On s'y rend tout de suite, chef. Ouais, vous constatez que le premier Churchill MK je sais plus combien est arrivé. Panzer en déplacement. Le Marder se prépare bon. Pour une attaque côté, j'ai tir. Ah là là, j'ai totalement oublié. Je vous écroche tout. En plus c'est logique. On se déploie vers le secteur. Vous pouvez transmettre. Là, je vous démontre encore une fois que ces unités assez pourries pour les au sol. Bon, heureusement ils ont une bonne tendance de tir. Ils compensent un peu leur faiblesse mais bon. Voilà. Un bon petit tir d'artillerie ici pour nettoyer ça et tout ira mieux après. Grenadier à vos ordres. Bon, limite de population atteinte, d'accord. Ici Marder, j'attends les ordres. Parlez. Roule. On nous attaque. Des MK, voilà. Churchill MK 4. Extrêmement facile de constater maintenant. Bien joué. Ces Drexkers d'anglais ne doivent pas traverser la rivière. Envoyez ces sapeurs piéger le pont. Inconnu, à l'attaque. Combat engagé. Voilà. 2-3 grenades incendiaires. 2, je pense que ça devrait suffire. Bon, ou le canon de 88 qui s'en occupe, ça devrait suffire aussi. Ah, qu'est-ce que vous avez, le canon 88 suffit amplement. Disons que le canon 88, ce sera vraiment votre meilleur atout de défense. Ah, maintenant, vous comprenez. Disons que ce que je vais faire, je vous explique, c'est que je vais envoyer mes mardeurs, je vais trouver le Calliope, je vais le détruire, je vais tenter de le replier. Si vous perdez c'est... vos mardeurs, c'est pas encore trop grave. Parce que je vous rappelle que vous avez votre canon 88 qui devrait normalement vous aider. Ouais. Ensuite, autre chose, vous avez l'artillerie, je vous rappelle. Donc, au pire, vous déployez ça, vous voyez, une... suffit qu'il passe, vous voyez, vous déployez une unité de l'autre côté, et hop. Maintenant, voilà.
Ça coûte un peu de points, mais bon, c'est pas le problème. Et bah. Et voilà, plus de calliope. Donc maintenant, le véhicule là, vous voyez, la mission n'est pas dure en elle-même. Maintenant, vous utilisez votre canon d'artillerie pour neutraliser ce que vous pouvez neutraliser, voilà. Il conseille de déployer les flaques de l'autre côté, je peux comprendre. Mais je préfère les laisser de ce côté-là. Tout simplement de préférence, hein. Mais bon, l'avantage de déployer de l'autre côté, parce qu'il y a quand même un avantage, c'est que ça sécurise plutôt bien vos sapeurs, ils sont pas sous le feu ennemi. N'empêche que, malgré qu'ils disent qu'ils soient sous le feu ennemi, c'est pas encore un gros problème, hein. Et maintenant, ils ont leur compte. Nous avons déployé les charges de démolition. Continuez à couvrir ces arbres. On attend. Le QG veut qu'on détruise ce pont. Nous devons le piéger avant que les Rosebifs traversent. Voilà. Vous faites par la chaîne à l'assaut. Yo, donc l'avantage de ces troupes-là. Des grenades qui font très mal. Tout simplement. Parlez, mitrailleuse lourde en vue. Gardez ces munitions sous la main. Normalement, le pont va bientôt sauter. Rompez le combat. Donnez-nous nos armes. Donc on va faire ça bien, on va replier nos troupes. Démarrez-nous en position. Rejoignez ce secteur. On attend. Préparez-vous, ça va secouer. Anga. Bon, vous pouvez faire sauter maintenant, mais bon, on va faire ça bien quand même, hors nos troupes. Et voilà, nous avons réussi. Et c'est là-dessus que nous réussissons cette mission. Donc voilà, nous sommes victorieux, nous avons accompli tous les objectifs principaux qui étaient de défendre la ville de Best et de détruire le pont pour empêcher les Américains de passer. Nous avons accompli l'objectif secondaire qui était de détruire le char lance-roquette Calliope. Et nous avons obtenu l'insigne d'assaut général pour avoir réussi à capturer toutes les zones de largage qui restaient. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine fois et vous les jeux vidéo.